Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tout simplement jouer à Clash Royale. On va se faire trois petites attaques les gars, on va se faire plaisir. Donc du coup on va attaquer avec ce deck. Peut-être, je dis bien peut-être qu'à la troisième attaque, on attaquera avec ce deck. C'est pas sûr, mais peut-être, on sait jamais. Peut-être que des fois si je me dis allez, je suis chaud, je suis partant, on pourrait. Mais pour l'instant, les deux premières attaques c'est sûr on les fait avec celle-là, avec ce deck. Et donc du coup moi je vous dis à tout de suite pour attaquer, c'est parti. C'est parti les gars, on est contre Alexandre. Je sais pas. Alexandra, ça fait bizarre. Mais bon, c'est pas très grave. Donc bonne chance pour le monsieur 7. Ouais, il est niveau 7, tiens, c'est un truc de fou ça. Enfin, ça fait longtemps que j'avais pas vu. Enfin, première fois. J'allais dire première fois que j'ai vu un niveau 7. Non, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu de niveau 7, c'est un truc de fou. On va mettre des archers. On va mettre de la Valkyrie. Est-ce qu'il touche? Il touche, malheureusement. C'est pas très grave. On va mettre du chevaucheur de cochon. Eh ben non, on va pas... Su quoi que, finalement, ça va servir. De toute façon, il a utilisé 6 d'élixir, c'est énorme. Jusque-là, on est plutôt bien. Jusque-là, on est vraiment bien. Ça donne quoi? Ça va, j'ai envie de dire que ça va, on se fait plaisir quand même. Ouais, les archers qui font plaise, ok, nickel. Lui qui utilise des flèches, mais qui sert à rien. Mais mec, il reste deux archers. Elles vont pas te faire plus de dégâts, quoi. Enfin, deux archers, ça te fera rien du tout. Ah ouais, c'est avant qu'il va utiliser les flèches, mon dé. Enfin bon... Donc du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer de la horde de gargouille. On va attendre tranquillou. Et on va envoyer notre fameux molosse de lave. Si on y arrive à temps. Est-ce qu'on y arrive à temps? On y arrive à temps les gars. Ouais non, on n'y a pas réussi à temps. On n'y a pas, quoique. Si ça va, c'est bon. C'est bon, ça va. Ça va, on a réussi à temps. Parce qu'il reste une petite gargouille. Et en plus on en envoie encore. Ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer des fûts à gobelins. Enfin des gobelins on va dire. On va envoyer des gobelins. On va envoyer... Oh là, okay, il va se faire défoncer. Ce qu'on va faire, on va mettre des archers. Ah malheureusement je les ai mal mis les archers. Je suis un peu teubé, bon c'est pas très grave. Parce que c'est le coup de la pression quoi. Il fallait que j'attaque quoi, il fallait que j'attaque. Du coup on va mettre rien du tout. Oh là, les gargouilles qui vont se faire tuer. Ah non, ah non. Ah non, finalement non. Bon, c'est pas très grave. Ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer de la petite Valkyrie tranquillou. On va attendre tranquille. On va envoyer de... Espèce d'enfoiré. Il a même pas touché ma Valkyrie. Bon ouais, c'est parti, on envoie du molosse. On envoie des hordes de gargouilles. On envoie... Mais de toute façon, il a des flèches, donc c'est vrai que ça sert à rien ce que je fais. On envoie du cochon. On envoie des trucs, là, des fûts à gobelins. Oh, là, il va se faire défoncer, là. Là, il peut envoyer ce qu'il veut, la horde de gargouille ou ce qu'il veut. Je m'en fous, il va se faire défoncer. Regardez-moi ça, il va se faire défoncer. Oh, oui. Yes. Ah non, malheureusement, non. Bon, c'est pas très grave, il a quand même failli. Hein. Il a quand même failli. Oh là là, je te jure. Franchement, là on a fait bon, là. Là, on a fait bon. Bon, allez, c'est parti. On envoie de la Valkyrie. On envoie du petit molosse de lave, tranquillou. On va envoyer pas du cheveu sur cochon, parce que quand même, on a un minimum de loyauté. On va envoyer... par contre, on va faire l'enfoiré. On va envoyer des fûts à gobelins. Oh, il peut défendre contre les fûts à gobelins, quand même. Il suffit d'envoyer des flèches ou un truc dans le genre, et puis c'est fini. Oh, nickel ou pas? Fallait défendre. Ouais, je suis quand même un enfoiré. Hein. Je suis quand même un enfoiré. Bon. Ah ouais, mais là, c'était limite, là. Si je perdais, j'étais dans la merde, quoi. Donc, bon, j'ai envie de te dire, voilà, quoi. J'étais à 1700 de trophées, donc... du coup, on a eu un petit coffre à couronne. Bon, ça fait plaisir. Franchement, on s'est fait une petite attaque, là. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah là là, je vous jure. Il y a des fois, on est des fous. Et c'est parti les gars, on est contre Good Priest. On est à 1700 trophées les gars. 1700 trophées. On n'a pas intérêt à perdre, ok? Parce que si on perd, quick. On se coupe la gorge. Ah ouais, on se coupe la... Non mais on est comme ça. Non mais bon, ce serait un peu dommage de perdre quand même, hein. Ça serait vraiment très dommage. Donc du coup, on va essayer de faire quelque chose de plutôt pas mal. Donc pour l'instant, on va pas défendre plus. On va faire du Valkyrie cochon. Moi j'aime bien le Valkyrie cochon. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Donc Valkyrie cochon tranquille. On va envoyer des gargouilles. On va peut-être envoyer des flèches. J'aurais dû envoyer des flèches plutôt que des gargouilles. Ouais, finalement. Hein. Finalement, pas besoin de plus. Hein. Ouais, non, pas besoin de plus. Hein. Pas besoin de s'embêter avec quoi que ce soit. On va mettre des archers à la limite. Vous savez quoi? On va envoyer des flèches ici. Hop là. Voilà.
Bon là il se fait plaisir hein. Putain il se fait plaisir le petit hein. Oh, oh là là il se fait plaisir quoi. Bon tu veux jouer à ça mon gars, ça va. Ça va pas durer longtemps ce petit jeu. Parce que là j'ai les hordes de gargouilles mon gars. Et là mais là mais j'en rigole. J'en rigole parce que je... Tu vas prendre cher, tu vas prendre cher. Allez c'est parti les gars. Hop là il utilise son petit sorcier. Tranquillou. Nous on va envoyer nos petits trucs. Là il va envoyer ses hordes de gargouilles. Non même pas, il a envoyé le petit sort de zap là. Enfin un sort d'électrocution. J'aime bien l'appeler sort de zap. Allez, nickel. Allez, bim, ça continue, ça continue. Et bah voilà, franchement, on se fait plaisir. On va envoyer du Valky Cochon. Vous allez voir que ça va faire plaisir aussi. Valky Cochon qui va faire plaise ou pas? Allez, Valky Cochon, les gars. Franchement, normalement, ça doit faire quelque chose. On a les flèches au cas où. À la limite, tiens, je vais défendre contre... contre notre petit ami. Regardez à droite, là, regardez Valky Cochon qui est toujours aussi puissant quand on le défend pas. Hein. Quand on le défend pas, le Valky Cochon, il est magnifique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des petits archers. On va mettre des petits archers, tranquille. On va mettre du molosse de lave. Et on va mettre des hordes de gargouilles. Quoi qu'il va s'y attendre, hein. Hordes de gargouilles, va s'y attendre. Il va s'y attendre, va s'y attendre. Bon, on envoie quand même. Hein. Allez, on va envoyer. On va envoyer aussi ça, là. Histoire de se faire plaisir. Hop, on envoie tranquille. Ok, nickel, ça donne quoi? Oh là là, mais on l'explose, on l'explose. Bon, on envoie ça, tranquille. Boum. Allez, hop là, une petite tour pour nous ou pas? Petite tour pour nous ou ça se passe comment? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui casser la tour. Hop là, on envoie du... tranquille, regardez-moi ça. Hop là, on se fait plaisir. Là, on lui tue son... oh là 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 là. Ouais, c'est parti, du Valky sur le côté, du chevaucheur de cochon... Et on a gagné, mais tranquille, même pas besoin d'envoyer tout ça. On a gagné, on a gagné, on a gagné un coffre d'argent. Calé, bim, j'avais raison. J'allais dire coffre d'argent, mais je me suis trompé, j'ai dit cafre d'argent. Donc c'est un peu chaud, du coup j'ai dit n'importe quoi. Mais c'est pas très grave, donc du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vous dirai tout de suite pour une nouvelle attaque. Et malgré qu'on frôle les 1700, étant donné que j'ai mes 4 coffres remplis. Bah j'ai envie de dire à tout de suite avec l'autre deck que je vous ai dit. Et c'est parti. Et c'est parti les gars, on est contre BBXBox. Non, BBXBox. Enfin bon, tu m'as compris quoi, tu sais lire à mon avis, pas comme moi. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer du géant. Donc il est niveau 8, il est niveau 8. Qu'est-ce qu'on va faire, tiens? Qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez quoi? On va envoyer du bébé dragon. On va envoyer du petit gobelin. Et on va envoyer de la horde de gargouille direct. Regardez-moi ça. Hop, il envoie son petit foudre. Et nous, on envoie notre petite horde de gargouille. On va prendre notre petit zap. Je pense qu'il a le zap. Non, même pas, il a pas le zap. Bon, bah finalement, on va pas prendre le zap. Étant donné qu'il n'y a plus d'horde de gargouille. Et que du coup, il va pas défendre. Ah, ça serait complètement con. Ah, bah si, il défend en plus. Ah, bah le mec, il est comme ça. Ça sert à rien, mais il le fait. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on envoie? Est-ce qu'on envoie ça? J'ai envie de dire au dernier moment. Allez, on est chaud. Boum! Allez, nickel, on se fait plaisir, on envoie du cochon, on envoie des archers, peut-être du sort de zap? Ouais, non, finalement, pas du sort de zap, parce qu'on n'aura pas le temps, de toute façon, il aurait pu être là plus tôt, bon, je pense qu'on aurait fait quelque chose, mais là, ça vaut pas le coup, quoi, là, ça vaut pas le coup du tout, on envoie ou pas? Allez, on envoie, on est chaud, ok, nickel, on se fait plaisir, malheureusement, je l'ai envoyé un peu trop tôt, c'est pas très grave, on va y arriver, on va envoyer, on va attendre, allez c'est parti on envoie, faut pas non plus trop attendre parce qu'après des fois il envoie une troupe avant moi, ça peut très bien être mauvaise troupe et tout, enfin ouais, vaut mieux pas trop attendre non plus, on va peut-être envoyer du chevaucheur, il va envoyer son foudre, mais c'est pas très grave, ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer du Valky Cochon à droite, ça risque de faire plaisir je pense, il y a moyen. Valky Cochon, attention, hop là, on envoie du cochon, on se prépare le sort de zap au cas où, je dis bien au cas où, parce qu'on sait jamais des fois, ok, petit sort de zap qui va faire plaise, pouf, hop là, nickel, on se fait plaise quand même, mais bon, on s'est fait plaisir, bon, ce qu'on va faire, on va envoyer ça, voilà,
Nickel, regardez-moi ça. Oh là 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 là. On se fait vraiment plaisir, les gars. Franchement, on se fait plaisir. Bon, on envoie ça, on envoie. On envoie du chevaucheur. Enfin, du cochon. Du truc volant là, du dragon. On envoie à côté à gauche là, on envoie de ça. On envoie des archers avec, histoire de. D'accompagner. Là, histoire d'accompagner. On va envoyer de ça. Boum, nickel. Ok, ok, nickel, ça fait plaisir. Voilà, franchement, là, on se fait plaisir. Hein. Oh là là là. On va envoyer ça. On va envoyer ça. Voilà, hop. Nickel, on envoie les petits machins. Et malheureusement, on n'a pas eu le 2 étoiles. C'en est dommage. Franchement, c'en est dommage. On aurait pu avoir le 3 étoiles. Enfin, le 3 étoiles. On aurait pu avoir le 2 étoiles. Mais de toute façon, on s'en fout en fait. Qu'est-ce que je raconte, moi? Oh là 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 là! Il y a des fois, je pars dans délire, tu sais. Dans des délires. J'ai tellement l'habitude de vouloir du 2 étoiles que forcément. Enfin, du 3 étoiles pour le coffre à couronne que forcément, après, ça déteint sur le reste. Bon, du coup. Maintenant, on a terminé le petit combat. Donc, on est. Donc, arène 5. Bon, c'est pas très grave étant donné que j'ai tous mes coffres. Voilà. Donc du coup, moi, je vais bosser sur ce. Parce que j'ai envie. j'ai envie. Et donc, du coup, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Et puis, n'oubliez pas, restez cool.